Donc, passons à la connexion du Mi Band 4 sur son téléphone. Donc, il faut utiliser l'application Mi Fit. Est-ce que j'ai mis ici dans Montre. Accepter. Ok, ils ont dû faire une mise à jour de l'application. Je vais mettre ajouter un bracelet. Une fois que vous avez associé cet appareil, ok. Recherche en cours. Gardez le bracelet à proximité de votre téléphone. Pair the phone, ok. Donc il a bien été connecté. Le bracelet n'a pas reçu de demande d'association dessus. Voilà, donc il faut appuyer. Donc l'écran est bien tactile. Et là, hop, bah, c'est très 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 rapide. Donc, ajouter un nouvel appareil. Si vous avez couplé plusieurs bracelets, montre seulement un appareil sera disponible pour enregistrer les données et recevoir une notification. Activer. Avant l'activation, Mi Band 2 précédemment associé sera arrêté. Continuez quand même. OK. J'ai plus besoin du Mi Band 2 qui est ici. Hein. Appareil activé avec succès. Mi Smart Band 4. OK. Restauration des paramètres bracelets. Les paramètres de l'appareil précédent seront restaurés après le remplacement de l'appareil. Restaurer l'écran de verrouillage. Vous devez définir à nouveau lorsque vous changez l'appareil. Restaurer. Ok, parce que ça c'est pour déverrouiller l'écran. C'est bien quand on a un téléphone Xiaomi ou Redmi. On peut déverrouiller son écran grâce au bracelet. Donc plus besoin d'empreintes. Ni dans de photos hein, faciales. Configurer écran de déverrouillage via Bluetooth. OK. Donc là, c'est mon code. Hein, je vais vous enlever. Voilà. Voilà, j'ai inséré le code. Donc là, il demande de connecter au téléphone. Je fais OK. Utiliser celui-ci pour déverrouiller. Ok. Normalement, si j'ai le bracelet à côté, fais ça. Donc là, il y a le petit signal là, si vous voyez en haut, si je vous montre. Hop. Bon, je vais recommencer. Si je fais avec l'empreinte digitale, ça va pas. Ici, vous voyez, il reconnaît le bracelet. Je peux faire ça. Et ça déverrouille mon téléphone. Donc ça c'est bien. Donc voilà, vous avez vu un peu comment ça se passe la connexion. C'est vraiment très 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 rapide. J'ai pas eu du mal là du tout. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine.